will you fire off your first rocket, and where will you send it to? I will fight from Lusaka, and it will go straight to the moon. On est en 1960 et on assiste à un vaste qui a la plus grosse d'ampleur mondiale. 4% du budget des États-Unis est dédié à la NASA, à la conquête spatiale, alors qu'ils sont dans une situation raciale qui est très compliquée et ils sont dans la guerre du Vietnam. L'URSS a réussi à mettre le premier homme dans l'espace et en 1962, Kennedy va dans le Texas, non pas pour se prendre une balle, mais pour dire « We choose to go to the moon ». Bref, la conquête spatiale, c'est parti, c'est les années 60, c'est vraiment un vaste qui a la plus grosse, et la question, c'est qui va réussir entre les États-Unis ou l'URSS à mettre le premier homme sur la Lune ? Et si c'était ni l'URSS, ni les USA qui gagnaient la conquête spatiale ? Et si c'était la Zambie ? En 1964, la Zambie annonce qu'ils vont lancer leur première fusée vers Mars la même année. Mukaka Nkoloso, le président de l'Académie des sciences de Zambie, écrit un article dans le Times en 1964 pour dire « On a 6 ou 7 ans d'avance sur les technologies des États-Unis et de l'URSS et on va envoyer quelqu'un sur Mars cette année, on est prêt. » Il annonce que toute l'équipe est prête, qu'il a trouvé des afronautes comme il les appelle, qu'il va envoyer Manta Mantrawa dans l'espace alors qu'elle a 17 ans et qu'elle sera accompagnée de 2 chats pour lui tenir compagnie. Le monde entier se fout de la gueule de Monsieur Nkoloso, mais il y a quand même une équipe de télévision qui va aller en Zambie pour voir si il se passe vraiment quelque chose de sérieux. I will fight from Lusaka and it will go straight to the moon. It depends upon how much money I got. If I got enough funds, it would be very soon, or in the middle of 1965, if I got enough funds. But if not, well, it will have to make me delay longer. And what do you think the reaction of America and Russia will be to Zambia's joining in the space race? Oh, they'll be only surprised because they will find that they underestimate our resources plus the intelligence. En fait, Mukaka est un ancien professeur des écoles qui a décidé de s'engager politiquement pour l'indépendance de la Zambie, et à cause de ses engagements politiques, il va aller en prison pendant plusieurs années. Quand il sort de prison, il va convaincre son ami Kenneth Kaunda, qui va devenir le président de la Zambie, d'ouvrir une académie des sciences dans une ferme abandonnée à 10 km de la capitale. Il recrute des jeunes qu'il va éduquer puis entraîner pour le programme spatial, notamment sa spécialité, c'était de les mettre dans les barils et de les faire rouler depuis le haut d'une colline pour les habituer aux secousses qu'ils vont devoir subir pendant le programme spatial. Il dit aussi qu'il entraîne très sérieusement les chats, parce qu'il faut quand même que... Hein, voilà, un peu de standard. Face à la télé, il présente sa nouvelle fusée qui s'appelle Deepkal 1 en référence au président Kaunda et les journalistes se foutent allègrement de sa gueule. Mr. Nkoloso, is this the site for your rocket launching program? And could you tell me where your rocket is? Yes, this is the rocket launching site and my rocket is just here. And what is the name of your organization? The name of my organization is National Academy of Science, Space Research and Astronomical Research. And what position do you hold in the organization? I'm the Director General of Science, Space Research and Philosophy. And so here at an abandoned farmhouse not far from Lusaka, we have a youthful group of budding astronauts playing at entering Zambia for the world space race. However, to most Zambians, these people are just a bunch of crackpots. And from what I have seen today, I'm inclined to agree. Il y a plusieurs choses quand même qui sont pas très claires, notamment c'est pas très précis s'il compte aller sur la Lune ou sur Mars. Par contre, ce qui est sûr, c'est que son programme est super sérieux, il l'annonce et la Zambie le supporte là-dedans. Il rencontre quand même plusieurs soucis au cours de cette histoire. Le premier, c'est que le comité d'indépendance n'est pas d'accord pour qu'il lance sa fusée depuis le centre du stade le jour de l'indépendance. Ça paraît assez logique pour des raisons de sécurité, mais il le mentionne quand même dans l'article du Times. Deuxième problème qui est quand même assez important, c'est qu'il manque énormément d'argent et il se plaint que l'UNESCO n'ait pas répondu à sa demande de 7 millions de dollars. Alors il demande des financements à plein de pays, aux États-Unis et à la Russie, c'est logique, mais aussi à Israël et aux États Arabes Unis. Et puis également, il veut faire une levée de fonds public, demander de l'argent à n'importe qui peut lui envoyer. Il reçoit plein de réponses, plein de lettres d'encouragement, mais aucun argent, sauf une lettre d'un écolier indien qui lui a envoyé 10 roupies. Et au final, c'est le seul financement étranger de tout le programme. Autre souci, il annonce qu'il a du mal à trouver la technologie de propulsion, ce qui est quand même pas mal important pour une fusée. Et du coup, il demande l'aide des États-Unis et il leur propose de faire une collaboration, même si, auparavant, un an avant, il les avait accusés de vol de technologie, mais quand même, il décide de faire un geste envers eux, à condition que quand ils arriveront sur la Lune, le drapeau zambien soit posé en premier avant le drapeau américain. Et finalement, Manta, l'afronaute principale, tombe enceinte et sa famille ne veut plus qu'elle aille à l'académie. Bref, c'est pas gagné pour Nkoloso. Par contre, pour nous, c'est super facile de se moquer, et en particulier à l'époque, les Occidentaux se sont énormément moqués de lui, notamment en renforçant le cliché colonialiste de l'Africain qui se comporte comme un grand enfant. Mais en même temps, il y avait vraiment de quoi se moquer, sauf si
Depuis le début, c'était lui qui se foutait de notre gueule. Et si, en fait, il s'était foutu de la gueule du monde entier. Quand on revient sur ses écrits, etc., il semble que ce soit vraiment ce qui se soit passé, que personne s'en soit rendu compte. Il a fait ça pour critiquer le colonialisme et aussi le fait que les États dépensent des sommes énormes dans des programmes spatiaux alors qu'il y a des pays qui sont dans la galère absolue. Peut-être qu'on aurait pu s'en douter quand il écrivait dans le Times « J'ai prévenu le missionnaire de ne pas convertir de force les Martiens s'ils ne le veulent pas ». Il semblerait qu'il soit effectivement vraiment payé la face du monde entier pendant 10 ans. Mais aujourd'hui, la Zambie reste quand même le 20e pays le plus pauvre du monde et un seul Africain est allé dans l'espace dans toute l'histoire. Il s'appelle Mark Shuttleworth et il vient d'Afrique du Sud. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur les Afronautes, c'était rapide mais j'avais vraiment envie de vous partager cette histoire. Vous pouvez mettre un like et me suggérer des idées de vidéos dans les commentaires et puis à la prochaine, salut. I saw wisdom in Mr. Nkonosi, our hero. Spaceship knows which way.